Sera attribué un CAG gratuit. Merci pour les retraités. Merci. Vraiment, on est dans une France à deux niveaux. Pratiquement, donc on démarre une marche citoyenne pour aller visiter tous les bâtiments de l'État. Ceux qui veulent nous suivre. Ouais, on sait qu'ils sont fermés, mais juste pour faire un sitting devant, et dans la semaine, on occupera tous ces bâtiments. Le propre des femmes. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour devenir une femme comme les autres, soupirait Zemmour récemment. Je suis un homme et je ne peux accepter que ce réactionnaire se fasse passer, nous fasse passer, nous les hommes, pour des bruits épais. Eric, à titre personnel, je suis un homme, je n'ai pas de problème. Je crois. Je vais trouver un autre billet, t'inquiète pas.
De par sa fonction. De par sa fonction. Mais c'est bon, mais enfin quand même. Bon, on a le sourire. Hein. Ça va mieux. Alors, on va vous raconter. Racontez-nous tout, qu'on sache. Alors, quand on est arrivé, quand on est rentré en fait dans la PREF, on avait notre revendication, c'était de mettre en place par l'intermédiaire des CCC l'article 68 de la Constitution qui nous permet de demander une destitution du président de la République. En toute honnêteté, le préfet a souri. Ouais, bah oui, il rigole. Et tout ça, je pense, un peu d'autres souris, parce qu'on l'avait dit hier. Donc, on se doutait bien que de toute façon, en rentrant à l'intérieur, on n'allait pas ressortir et nous annoncer qu'il y avait un gel de toutes les taxes et toutes les fois, on le savait. En revanche, ce qu'on a pu obtenir là aujourd'hui, c'est de mettre un groupe de travail. Donc, nous devons nous organiser impérativement et les réunions qui ont été données hier, enfin, qu'on a faites à droite, à gauche, chacun d'entre nous, où on disait il faut qu'on se structure, il faut qu'on se structure, il faut qu'on se structure. Eh bien voilà, ça va devoir passer par là. Donc en créant des collectifs et en se rapprochant en fait de nos élus. Voilà. Donc là, le préfet et le commandant, je ne sais plus quoi, vont nous mettre en relation avec les députés et les sénateurs de notre département pour commencer à... Si nous parvenons à nous constituer... Voilà. J'ai bien précisé qu'il y avait une urgence à tout ça. On nous demande... Voilà. Que la situation était urgente. On a dit plein de choses, on est resté une heure et on est forcément resté courtois parce qu'une négociation, ça ne se fait que par courtoisie et voilà. Mais je pense que tous, comme on se connaissait pas, on a tous des avis, on a pu tous dire réellement le fond de notre pensée. Alors évidemment, lui, il ne peut pas nous dire, répondre à nos revendications comme ça en claquant des doigts. Maintenant, on a une piste, c'est de nous organiser. On est aujourd'hui capable. Alors, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il entend dans ses actions, dans ses mobilisations. Ils savent pertinemment que le mouvement va durer. Après, c'est à nous de nous organiser pour pouvoir passer par le biais de la manifestation comme c'est fait aujourd'hui, mais également passer par le biais de la négociation. Alors, soit on demande pur et simple, soit la ville de Paris, la France est sans dessus dessous. Est-ce que ça, il faut y réfléchir, est-ce que les gens ont envie de ça? Ou est-ce qu'on essaye de construire notre mouvement et puis d'être une vraie force face à ce qu'on est en train de nous mettre? La transition écologique, du prétexte de l'écologie pour augmenter la taxe, ça on l'a dit. L'absurdité de ce qui se passe sur le diesel aujourd'hui, alors qu'on peut pas en rajouter, etc. Ça fait partie de ce qu'on a dit, l'anti-misère, donc on a bien cité. L'inaction fiscale. Donc on a bien dit que ça c'était pas possible et que de toute façon, notre objectif c'était quand même d'obtenir la démission de Macron, ou sa destitution, ou la destitution de l'Assemblée nationale, quel que soit le moyen en fait, légal qu'on utilise, en tout cas, c'était ça. Quoi.